Oh, t'as commencé le live? Ah oui. Ah bon? Ah ouais. Bon, bah, excusez-moi, on reprend. Non, mais comme il y a un peu. On occupe ma tête. Donc voilà, je me suis refait une petite beauté pour le carnaval. Parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le carnaval dans Animal Crossing. Vous voyez tous les petits habitants, ils ont pris leur beau petit costume. Moi également. Donc, le but, c'est d'attraper des plumes pour donner à Roberto des plumes de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, les couleurs de l'arc-en-ciel hein, comme celle-ci, plume irisée. On lui donne. Il va faire sa petite danse. Sur le thème carnaval. Comme il y a là, hein, comme ce que je mets en place ici. C'est mignon comme tout, j'aime bien. Carnaval. Qui paraît que le carnaval mettrait fin à la neige. Pour ceux qui sont en hémisphère nord, hein, ils ont la neige. Qui paraît qu'après le carnaval, il n'y aura plus de neige. Qui paraît ça? Le carnaval, c'est la fête. Ça fait que le début du soleil, le soleil qui revient. Excusez-moi, mais je n'arrive pas à attraper le ballon. Donc, après, pour ceux qui veulent, vous pourrez venir me rejoindre. Je vais installer un dodo code. Enfin, je vais le mettre juste après. Disponible inscrit sur le live directement. Comme ça, vous pourrez venir sur l'île faire l'événement avec moi si ça vous dit. Attendez, c'est donc tout se mettre en place. Bon, beaucoup à ceux qui sont là, hein, j'espère que si je sais pas si y a quelqu'un sur le live en attendant. Je ne vois pas ce que vous dites. Voilà. Donc là, est-ce que je peux faire un message? Donc, je vais vous installer un dodo code tout de suite pour ceux qui veulent me rejoindre. Pour
ceux qui ne savent pas un dodo code, en fait, vous allez pouvoir, même si on ne se connaît pas, si vous avez une connexion internet, bien sûr, vous allez pouvoir rentrer le dodo code que je vous indique et vous allez pouvoir venir sur mon lit directement. Lui, il a sa petite couronne de plume. Voilà, donc là le dodo code c'est 55D23 pour ceux qui veulent me rejoindre. Alors, où est-ce que je peux le mettre pour qu'il reste en... Je sais pas trop. Dodo code. Voilà. Donc, je l'ai mis sur le live. Là, vous le voyez, le dodo code 55D23. Je laisse les portes ouvertes. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre à tout moment. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelqu'un ou pas ? Louis ? Non. Une personne. Ouais, ça doit être moi, vu que je suis sur le chat. Et donc pour ceux qui ceux qui viennent, j'ai laissé des petits objets sur le côté que je n'utilise pas, que j'ai déjà. Donc vous pourrez vous servir, hein, c'est l'exprès. Je donne. Voilà. Alors. J'ai vraiment mis en place une petite mise en scène carnaval, c'est assez sympa. Donc le dodo code, hein, vous pourrez vous demander à tout moment, hein, je l'ai. Hein. Connaissent pas, hein. j'ai mis un dodo code, mes portes sont ouvertes, les portes de l'île pour ceux qui veulent me rejoindre, pas aucun problème, j'accepte tout le monde tant qu'il n'y a pas de soucis, tant que vous respectez mon île, il n'y a pas de problème. Allez, on va aller partir à la chasse aux plumes, donc pour il y a deux solutions pour avoir des plumes irisées. C'est soit on en attrape directement, donc ça c'est rare d'en trouver sur l'île. Ou sinon, Roberto va vous donner un plan. Qu'est-ce que j'ai mis ? Roberto va vous donner un plan pour fabriquer justement une plume irisée de toutes les couleurs. Excusez-moi. Ah, où est-ce qu'elle est passée, cette plume ? Là voilà. Hop, une plume irisée. Donc pour ça, il faut une plume rouge, une plume bleue, une plume verte et une plume violette. Donc, tout simplement, on va faire le tour de l'île. Bah, vous voyez, il y en a déjà une plume. Il y a déjà une plume verte. Hop. Verte et violette. Je prends dans mes poches actuellement. Ouais, je m'occupe de me débarrasser de mes fossiles. Tiens, j'en ai plus. Puis ça va garder sous-sous.
à la chasse aux plumes. Donc là, le dodo code, si vous voulez me rejoindre, c'est 55D23. J'ai une fausse joie. Ok, quelqu'un m'a lancé Wizbot. C'est marrant, c'est tous les personnages avoir petite couronne de plumes, c'est sympa. Oh ouais, son fil est cassé. Bon, c'est pas grave, j'en ai plein. J'en ai plein chez moi. Je vais faire celui en fabriquer un autre, alors j'en ai plein chez moi. Ah, il est tout bleu comme par hasard. Bon, de toute façon, plus bleu, j'en ai plein d'autres. Les outils. Ah, je suis passée devant. Ah. Oh, bah, j'ai trois filets. J'ai du stock. Hein. Mmh.
Donc voilà, si vous voulez voler un mon île, hein, n'hésitez pas, le dodo code est là pour ça. Hein. Cet événement super sympa du carnaval avec moi, ça me ferait super plaisir. Bon, par contre, faites pas gaffe aux désordres. Bon, franchement, c'est du grand n'importe quoi. J'ai essayé d'en faire, j'ai enlevé pour ceux qui connaissent les livres de base. Il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. J'ai effacé beaucoup de choses. J'ai essayé de changer toutes les maisons parce que je me voyais mal recommencer une partie. Je trouvais ça triste, franchement, de recommencer une partie, dépasser tout. Animal Crossing, ça te suit. J'ai commencé juste avant le premier confinement. C'est ce qui m'a aidé à tenir d'ailleurs quand je joue Animal Crossing tous les jours. Ça m'aurait embêté de recommencer, d'effacer, de recommencer une nouvelle partie. J'ai carrément beaucoup ça de recommencer. Parce que c'est vrai que quand t'as fini de rembourser tes prêts, quand t'as fini de décorer tout, c'est vrai qu'il n'y a plus grand chose à découvrir. Mais bon, il faut redécorer encore. Pas hésiter à changer quoi. Bon, moi j'ai changé là, j'ai occupé des maisons, j'ai tout mis de côté, j'ai tout mis dans un coin, tel un quartier, je trouvais ça assez sympa. Après je me connais, dans quelques mois ça me fera plus, j'ai changé. Raté. Pas raté. On trouve des toilettes sauvages en pleine nature. Je les ai placées là, mais je sais pas comment faire. Je vais donner à Technique Tech et puis au final, ça s'est pas fait. Ah, génial, il y a des plumérisés. Ah, c'est attrapé. Super. Waouh! J'ai attrapé une plumérisée. Vive le carnaval! Il y a plein de plumes partout là. Je crois savoir que sur 3DS c'était comme ça aussi. C'était la même chose sur 3DS, enfin sur Animal Crossing, sur la DS 3DS, c'était pas, peut-être pas DS, mais sur la 3DS, je me rappelle qu'il y avait un événement comme ça, des confettis partout, et c'était pour, ils fêtaient ça à l'arrivée du printemps. C'est aussi le carnaval, c'est censé célébrer l'arrivée du printemps, l'arrivée des beaux jours. J'avoue que là, ils sont un petit peu en avance quand même. Mais bon, on aime quand même. C'est vrai que ce qui est vraiment sympa dans ce jeu-là, c'est qu'on ne s'ennuie pas parce qu'il y a toujours un petit événement, des nouveaux. Donc c'est vrai, vous allez me dire, au fil des années, il y aura exactement les mêmes choses, mais bon. Ça reste sympa quand même. Passer un petit moment détente. Moi je suis quelqu'un comme ça hein, qui aime bien passer des heures sur un. C'est parce qu'en ce moment j'avais pas trop le temps, mais franchement je suis clairement capable de passer une journée complète sur Animal Crossing. J'ai tellement de choses à faire sur mon île. C'est tellement moche, j'ai plein de mauvaises herbes, ça j'aime plus. Ça fait tellement longtemps que j'aurais changé le camping, j'aurais tout changé. Mais bon, je n'ai point le temps de faire tout ça pour l'instant. C'est pareil. Hein. J'avais mis ces trucs là pour l'événement Halloween. Ça fait désordre. C'est vrai que je vois des personnes, elles ont des îles, mais il faut voir le truc. Enfin, c'est magnifique. J'ai pas vraiment l'instant de décoration, enfin un peu quand même, mais il y a des choses qui. Il y a des personnages, il y a des trucs de fou, c'est incroyable.
savoir qu'Animal Crossing, c'est vraiment pour tous les âges. Hein, parce que moi, je peux dire que c'est ma mère et ma belle-mère qui y jouent. Je les ai mis dans l'avancée de ma Crossing. Alors moi, il faut savoir que je connais Animal Crossing depuis la Nintendo DS. J'avais précommandé, j'étais encore au collège. J'avais dernière heure cours d'anglais quand j'étais allée chercher mon jeu Animal Crossing. Ah ouais, c'était. Pourtant, les premiers jeux Animal Crossing, mon premier est sorti sur GameCube, je n'ai pas connu celui-là. Et c'est bien dommage. Pourtant, j'ai la GameCube, mais je n'ai jamais vu Animal Crossing. Que c'est assez rare. Il n'y a pas de pile partout, c'est génial. Deux viewers, n'hésitez pas à venir me rejoindre si vous jouez Animal Crossing. J'ai mis un dodo code. Le code c'est 55D23. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir des personnes avec qui partager l'event parce qu'il est vraiment sympa, hein, le carnaval. J'ai même fait une petite décoration pour vous accueillir. Vous avez vu, j'ai fait des stands, des petits confettis partout. Vous avez vu, j'ai fait ça bien. Marina, elle vous accueille en plus en dansant. Allez, samba! Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, on s'amuse. Tous mes habitants, ils sont beaux. Regardez mon petit Teddy, il est beau. Verte, ouais, allez, c'est parce que je t'adore. C'est bien parce que je t'aime. T'es bon là. Merci. Alors il y a peu, j'ai accueilli Marina. C'était vraiment. Oh là franchement, parce que j'ai un habitant qui est parti, qui me dit oh j'aimerais partir. J'ai dit ouais vas-y pars parce que je t'aime pas trop. Je suis méchante. Mais j'ai fait le tour des îles, du coup hein, j'ai acheté là les tickets pour aller dans les îles. Ah non, j'ai carrément donné les trois. Mais ouais, mais comment je fais moi si je donne tout ça? C'est pas possible ça. Ils sont bien mignons, mais oh. Je peux pas partir à la chasse au moins. Enfin bref, j'ai fait le tour des îles. Je suis tombée que sur des trucs, mais. Que des trucs hyper moches, des habitants, excusez-moi de bailler. Des habitants moches comme tout. Et là d'un coup. J'ai vu Marina, j'ai fait oh belle. Puis en plus, bon bah j'ai Marvin hein, depuis l'ouverture de. Enfin c'est pas depuis le début, mais c'est quand j'ai installé les maisons, je sais pas si vous voyez les trois habitants en maison. Et bah j'ai eu Marvin. Parce que je l'adore franchement. Et je me suis dit ce serait cool qu'un jour j'ai Marina. Comme ça j'ai mon premier petit couple dans mon île. Ils sont trop mignons. J'ai hâte franchement qu'ils fassent des petits, parce qu'apparemment quand il y a des ressemblances, bah il y a des petits mots, ils s'assoient tous les deux, quand il y a un banc sur la plage, ils s'assoient tous les deux, il y a des coins de regard, enfin il y a des. C'est vraiment sympathique franchement. Bon, ça c'est mon objectif, faire des petits couples sur mon lit. Je suis trop contente parce que Marina elle est trop choupinette. Et ses petites tentacules là. J'adore. Hein. Ah ouais, ça fait un moment que je la veux en plus. Ah, je regrette pas, franchement. Je suis trop contente. Pareil, Teddy, bah, il est venu au hasard, Teddy. J'avais laissé une parcelle et puis bah je me suis dit, allez, on verra bien qui c'est qui vient. Et puis c'était Teddy. Pareil, un gros nounours, il me fait délirer lui. Un gros nounours bien sportif. Bien. Bon, du coup, ce qui fait que j'étais tellement sympa que j'ai plus de plumes rouges. Alors, c'est super. Faut que je reparte à la chasse à la plume rouge. Pour refaire des pupunirisées.
Ils sont bien gentils, mes habitants, mais ils peuvent pas aller à la chasse aux plumes, au moins, c'est feignant. Ah, je vous jure. Donc, pour les personnes, s'il y a des personnes qui viennent de rejoindre le live tweet, bienvenue à tous. Si vous voulez rejoindre mon île, j'ai mis un dodo code, donc le dodo code 55D23. D comme Delphine, c'est mon nom. Hein. 55D23. Vous le tapez pour rejoindre, hein, rejoindre mon île avec un dodo code et vous allez tomber sur mon île. Ça me ferait super plaisir d'avoir du monde sur l'île. N'hésitez pas à me rejoindre. Je vous accueille tous. Alors ça, j'ai une plume irisée. Tiens, je vais lui parler. Allez, ça fait longtemps qu'il nous a pas fait une shot dance, Roberto, quand même. Allez, il va nous déhancher le croupion. Mais oui, magnifique, grandiose. Il a faux à Roberto. Est-ce que tu lui la donnes? Hein? Est-ce que tu la lui donnes? Pardon, excusez-moi, je parle pas bien. Allez, tiens, ma coco. Ouais. Ah, y a un ballon. Faut la paix, y a un ballon. Parasol carnaval, yeah. Alors, faut savoir que ceux qui ont, comme moi, acheté tout ce qui est le carnaval qu'il y avait dans la boutique toute la semaine, c'est pas grave parce que là, il va vous donner la couleur irisée. Je ne pense pas que ce soit disponible à la modification parce qu'on peut modifier l'aspect avec l'établi de certains objets, pas tous bien sûr. Oh, encore du pognon, j'adore. Donc là, il m'a donné. Je ne sais plus s'il a donné. Un ballon ? Je ne sais plus. Non, un parasol de carnaval. Et ben, on va le mettre là. Ah, il n'y a pas assez de place. Il faut retirer la flamme, la petite fleur. Voilà. Oh, c'est sympa, j'adore les couleurs, franchement c'est super joli. Je pense que c'est un petit moment cette place comme ça. Je trouve ça cool. Donc en objet vous pouvez avoir, alors vous avez tambour. Alors, déjà moi ça c'est ce que j'ai acheté dans la boutique, hein. Vous aviez un objet par jour dans la boutique Nook. Par contre vous pouvez l'avoir qu'une seule fois par jour. Un jour, un objet différent sur ce thème carnaval. Donc là, il y a des lampes. Petites lampes que j'ai débloquées ce matin. Là, c'est ce que j'ai acheté. C'est pas un paravent. Je suis dégoûtée que j'en ai qu'un parce que j'aurais bien aimé faire tout le tour, faire un truc assez cool. Faudrait que je vois si j'ai les moyens de commander dans la mairie. Les petits canons à confettis, ça c'est super sympa. Ça c'est pareil, c'est des petits salles, des petites trucs pour danser. Mes habitants ils se mettent au milieu puis ils dansent autour. Ça doit rendre bien le soir. Mais je pense que le soir il y a des spots, ça doit bien refléter, ça doit être sympa. Les petits ballons. Les petits gros ballons carnaval. On a les panneaux. Parasol, hein, c'est comme je vous ai montré. Hein. Après, je crois qu'on a fait le tour. Ah non, il me reste encore un ballon que j'ai pas encore récupéré, mais je pense qu'après il m'aura tout donné. Je sais pas du tout. Après, je sais pas. Il va peut-être me donner style des. J'aimerais bien qu'il me donne genre des tenues ou la baguette, parce qu'à chaque fois qu'il y a un événement, il donne une baguette magique. Bon, au niveau des baguettes magiques, je les ai quasiment toutes, j'en fais collection. En collection, après, je les ai en placard, donc on ne les voit pas. Donc, c'est pas très très mal de ma part, j'avoue. Mais bon, je sais que je les ai. Il faut
faut savoir, j'ai jamais vraiment loupé un événement. J'ai loupé un événement une fois, mais c'est parce que je travaillais. Donc bah, je peux pas appeler mon boulot pour dire hey, j'ai pas, il y a un événement de Animal Crossing. Je me dirais mais vous faites la gueule du monde. Donc, actuellement ça va, j'ai le temps. Du coup je peux profiter quand même un peu. Bon, je pense qu'avec tout ça, il y a moyen de fabriquer des pulvérisés là quand même, avec tout ce que j'ai chopé là. On va aller voir un établi tout de suite. Encore merci aux deux personnes qui sont sur le stream, ça fait plaisir, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à follow pour qu'on puisse parler, ça me ferait plaisir. Je ne mords pas. J'ai pris mon petit déjeuner ce matin. Après, si ça vous plaît, live comme ça, une mail crossing, j'en ferai régulièrement. Il n'y a qu'à demander. Aucun problème. Encore ? Il a déjà pété ? Non, mais c'est une blague ou quoi ? C'est quoi ces filets de chez Wish ? Bon, à mon avis, j'ai dû déjà m'en servir, c'est peut-être pour ça que ça a cassé. Ah oui, c'est ma maison. Si vous voulez, je fais le tour de ma maison rapidement. Je vous montre un peu la maison. Donc, j'ai toutes les extensions. Donc, il n'y a pas longtemps, c'était mon anniversaire. Le 11 février. Donc, du coup, j'ai reçu ça. Bon, vous auriez vu, hein, du coup, c'est super sympa. Il y a des habitants qui nous amènent chez eux. On souffle les bougies, on tape une piñata, on reçoit des petits cupcakes à donner à des habitants qui nous échangent contre d'autres cadeaux. C'est vraiment sympathique. Alors, donc là, c'est pour pas changer, c'est encore le bazar. Il y en a un petit peu partout, hein, mais c'est ma salle principale. Le col enfilé, le col des milles, lui. Moi, j'aime bien, franchement, les petits meubles anciens. Je trouvais que c'était assez... ça apportait du corps à la pièce, du coup. Hein. J'ai déjà commencé par la comptoise. Je l'ai trouvée belle. Par contre, elle m'a coûté cher, la vache. Du coup, j'ai acheté les restes en meubles anciens. Il manque plus que le lit, mais je vais pas mettre un lit dans cette salle là, ça serait pas joli. Ensuite, une salle que je n'ai pas changée depuis la création. Ma salle de bain. Franchement, c'est la pièce que j'adore. J'ai mis une fois sur un groupe Facebook, j'ai eu plus d'une centaine de... même plus que ça, de likes dessus. Mais après, je change 2-3 trucs. Si vous avez écran noir, ouais, c'est bon. Donc si vous avez écran noir pendant un petit moment, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc voilà, ma petite salle de bain. Ensuite, tout à droite, c'est le salon. Ma petite Switch Animal Crossing que Dark Pegasus m'a offert, je le remercie, hein. Elle est très très jolie, donc on peut l'acheter. Pour ceux qui ont directement la version Animal Crossing, vous l'avez dès le début du jeu, et moi vu que je ne l'avais pas, j'ai la Switch, j'ai la version Pokémon. Excusez-moi, décidément. Du coup bah, j'ai eu la version normale, quoi. J'ai pas eu la version Animal Crossing, donc Dark Pegasus il me l'a offert.
Donc c'est très gentil de sa part, je le remercie encore beaucoup. Je suis gâtée. Voilà, la télé. Ça c'est le décor. T'as dit quoi? Je dis ça c'est le décor, regarde. Voilà pour mon salon. Et enfin, le cœur de la maison, la cuisine. Donc pareil, la cuisine, j'en suis bien bien fière parce que j'ai réussi à avoir un papier peint que je cherchais, franchement. Le papier peint café. Café, ouais, c'est un truc de magasin de café, truc de café, quoi. C'est un papier peint qu'on peut avoir qu'avec, je ne sais plus son nom. C'est Maria, je crois, je ne sais plus. Avec elle, en fait, elle vend des papiers peints, des sols mystères, etc. Bah, il n'y a qu'avec elle qu'on peut avoir ça. Et ça a été un coup de chance, hein, j'ai débloqué comme ça. J'ai vu dans mes poches, j'ai vu mur café, j'ai fait « Oh, ça y est, je l'ai !» Moi, c'est... On a Oh, je suis vraiment désolée de bailler comme ça, excusez-moi. Je suis pas réveillée à 100%, alors du coup, je suis vraiment désolée, pardon. Donc, comme je disais, on a les petits arbres en relief par les fenêtres. Donc, c'est cool, enfin, t'as les voiles, les rideaux. Enfin, voilà, ça va bien à la cuisine. Enfin, je l'ai mis dans la pièce principale, mais ça faisait pas ouf. Hein. Donc, voilà, pour l'instant, je laisse ça comme ça. Pareil, mes commandes en bois de fer, donc je remercie mes abonnés. Hein. Qui m'ont permis d'avoir des meubles en bois de fer, parce que j'ai toujours galéré, j'ai toujours surkiffé les meubles en bois de fer. Donc j'ai voulu tous les avoir. Bon, je les ai pas tous encore, je pense qu'il m'en manque encore quelques-uns. Mais voilà, j'ai le principal. L'étagère et tout. Ah, Chantal, là. Donc c'est ça, c'est ma belle maman qui se connecte sur. Sur Animal Crossing. Voilà, donc le sous-sol. Bon, le sous-sol, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Je ne sais pas quoi faire. Je pense que je vais faire une salle de jeu pour les enfants. Ouais, j'avais mis ça, mais franchement, c'est très laid. C'est très très moche. C'est vraiment un débarras, hein. Un tiring con offert par Nintendo. Mais ouais, j'avoue que là, franchement, c'est pas ouf ce que j'ai fait, j'aime pas trop. Mais je changerai par la suite, hein. Il faut que je sois motivée, et pour l'instant, je ne le suis pas. Voilà, ça c'est fait. Donc je répète, hein, pour les personnes qui regardent mon live et qui souhaitent rejoindre mon île, c'est le code DodoCode, c'est 55D23. Et pour finir, il y a ma chambre. Donc thème très girly, hein, très, y a un peu de tout. Hein, thème enfantin, là on retrouve mes habitants. Ah, pas tous. Puis en plus, il y en a qui sont même plus là. C'est Henri parti, le koala bleu tout moche est parti aussi. Faudrait que je mette à jour les photos. Parce qu'il y en a plein du coup qui sont là et que je n'ai pas. C'est pas bien. Donc voilà mon petit chez moi. Il y a un peu de tout et rien là-dedans. Alors, je venais récupérer un filet. Parce que le mien, il a déjà pété. Donc oui, je suis une fashion victime. Hein. J'ai beaucoup de chaussures, beaucoup de vêtements.
Donc ça, je vous disais, les baguettes. J'ai la baguette fête des œufs, la baguette fleur de cerisier. Donc ça, c'est des événements, baguette Halloween, baguette insecte, baguette poisson. Ça, c'est ce que je débloque pour les tournois de pêche et chasse aux insectes. Mais je crois qu'il me manque... Normalement, j'ai des plans de baguettes. J'en ai plusieurs même. Ça, c'est les plans que j'ai débloqués cette saison. Hey, salut André Schott. Merci à toi. De rien. Si tu veux me rejoindre, le dodo code c'est 55D23 si t'as Animal Crossing et Internet. Où c'est André Schott? Hein? Non, en fait, c'est Wizbot qui te dit que c'est André Schott le dernier qui a suivi. Ah, moi je voyais André Schott, merci à toi, je croyais que c'était un. Bon bah, c'est tout, encore une fois, je suis seule. J'étais contente, Ah, ça y est, enfin un être humain qui me parle. Pas grave. Ouais. Rampono alpin. Ah, celle-là, je l'ai même pas faite. Baguette coquillage. J'en ai. Pourtant je peux le faire en plus. Baguette fleur de cerisier, ça, je l'ai créée. Ah, et baguette bambou. Ça, je l'ai pas fait non plus. Comme quoi, les baguettes... En fait, les baguettes magiques, ça sert tout simplement à changer de tenue. À créer des tenues directement préfaites et vous les changez... Oh, des noix de coco. J'ai quand même hâte que l'été revienne, parce que c'est vrai qu'Animal Crossing, l'été, c'est bien, t'as la chaleur. C'est plus sympa, c'est vrai. Bon, après, c'est sympa, faut passer par toutes les saisons. Une heure que je suis en live déjà, ça passe vite, hein. Allez, c'est reparti pour la chasse au plus. Je sais pas comment elle fait pour pas avoir froid. Moi, franchement, à sa place, j'aurais froid. Désolé si vous entendez la boue à l'arrière, c'est la machine à laver. Ah, je sais pas si vous jouez Animal Crossing, ça va être pas embêté avec vos fleurs. Moi j'en ai marre, j'ai des fleurs partout. En fait, si c'est bien, ça dépend. Avant, c'était pas comme ça les fleurs. Hein. Les fleurs, ça devenait plus une denrée rare. Mais maintenant, en fait, même si on marche dessus, on n'explose pas les fleurs, on enlève juste les pétales. Donc après, ça repousse. Et pour s'en débarrasser, c'est pas de la tarte. Hein. Ça pousse tout seul, à moins qu'on arrive à les encercler comme j'ai fait à certains endroits, à mettre du sol autour, de toute façon comme ça au moins bah, elles se reproduisent pas, mais sinon il suffit qu'il neige ou qu'il pleut, ça y est, comme des lapins les fleurs, punaise. Après c'est joli à certains endroits, mais franchement comme à l'étage je me suis pas encore occupée, c'est vraiment étouffant, regardez-moi ça toi, j'en ai partout. Les mauvaises herbes, j'en parle même pas. J'ai vraiment... Ça fait pas beau, quoi. J'aimerais bien reprendre le contrôle, mais bon, c'est...
Déjà, faut retirer les trucs, faut retirer les fleurs, faut aller les vendre, faut perdre de la place, tout ça. Prends du temps, hein. Il faudrait que j'utilise des îles pour avoir des idées de décoration parce que c'est vrai que j'ai pas tellement d'inspiration, enfin ça dépend en fait. Il y a par exemple mon magasin de vêtements, je me suis inspirée d'un truc, je me suis inspirée d'une idée sur internet. J'ai vu l'image et fait ah c'est super sympa. Et du coup j'ai recopié le truc. Bon c'est vrai que vous allez me dire pas d'originalité mais... Quand j'ai pas le sens des quand on n'a pas le sens des décorations, avoir des petits exemples, ça fait du bien. Alors, où est-ce que tu te barres? Bien sûr, tu te barres de côté, sinon ce serait pas marrant. Bien sûr, tu vas aux petites plumes. Ah, je crois qu'elle vient par là. Effectivement, elle vient vers nous. Oh, qu'elle est gentille. Hop là, hey way. Là, je vous explique qu'on est ensemble jusqu'à, allez, on va dire 11h30. Et si vous voulez, cet après-midi, à partir de 14h, on se retrouve pour un live sur Fortnite. Si ça ne dérange pas TechniTech, bien sûr. Quoi ? Un live sur Fortnite que je fasse cet après-midi. Ouais. Donc à partir de 14h, je ferai un petit live sur Fortnite, hein. Par contre, ce sera les défis, hein, ce sera pas les PP parce que j'ai vraiment le pass, il se finit en mars. Si je dis pas de bêtises. Ouais, enfin, je suis méga giga à la bourre. Comme d'habitude. Donc, si vous voulez jouer avec moi cet après-midi sur Fortnite, c'est avec grand plaisir que je vous accueillerai. Pour m'aider à faire mes défis. Pareil la semaine prochaine, vu que ça va être les vacances. Je serai plus présente, moi et TechniTech bien évidemment. Je serai plus présent en live, enfin peut-être moins TechniTech parce que TechniTech va travailler. Et moi pendant les vacances, je serai disponible à faire des lives régulièrement. Mais j'ai pas beaucoup de plumes rouges. J'ai tout donné à Marina, au final j'en ai plus maintenant, c'est malin. Donc si vous voulez nous rejoindre mon île, les amis, si vous voulez me rejoindre et que vous souhaitez rejoindre mon île pour faire un peu les vannes par avec moi, donc le dodo code c'est 55D23. Là, j'ai ouvert mon île, hein, elle est disponible à la visite. Est ouvert, hein. Vous pouvez me rejoindre à tout moment. Donc le code 55D23. J'en ai deux, super, je vais pouvoir lui donner les deux. Alors là, l'inconvénient, c'est qu'il faut donner plume par plume. Ça, c'est bien. Mais bon, c'est pas tous les jours qu'on voit un pan bouger le croupion comme ça. Ah.
Roberto ne demande pas plus de plumes, il exige. Roberto exige plus de plumes pour le carnaval. Du coup, je crois qu'on a fait le tour des objets en final. Donc, je vais voir ce qu'il va me donner, ce qu'il me redonne les mêmes choses ou il va me donner autre chose, ce serait sympa, on va bien voir. Là, je vais te donner, calme ta joue. Ça toute la journée quand même, machin, t'as envie de te le faire au four. Hein. Toute sa gratitude. Roberto Blake, tu as une guirlande de carnaval. Ah, ça c'est cool. Guirlande de carnaval, j'en avais pas encore. J'en avais pas beaucoup justement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui a apparu en premier, la plume ou le carnaval? Roberto s'en fiche, il veut pas savoir. C'est marrant quand même. Bon, alors, ça c'est... Je vais pousser. Voilà. Il y avait que ça qu'il m'avait pas donné. Et puis il y avait le ballon. Donc le ballon, je l'avais mis là. Du coup, je vais le placer de l'autre côté. Ça va faire une sorte d'équilibre. J'ai pas de place, j'ai mis ce rocher, enfin cerisier. Je vais pousser. Exceptionnellement. Je vais le faire changer de place. Ok, yoli. Voilà, je vais mettre ça ici. Là, tous les objets qu'on découvre, au final, on les a de la couleur des plumes irisées. Je l'ai. Ah, c'est parti. Autant que j'ai des plumes, j'ai la trompe. Ce serait sympa que j'ai des plumes rouges, parce que les plumes rouges, je n'en ai pas encore assez. J'en ai une, donc si je veux, je pourrais refaire une plume irisée, mais je vais faire tout mon lit pour voir ce que je peux attraper en plume. Même une plume irisée directement serait cool. Mais c'est assez rare. Pourtant, ce matin, j'en ai quand même attrapé pas mal. Plume irisée, j'en ai quand même attrapé depuis ce matin 3-4. Ah, une plume rouge. Raté. J'adore, il précise robe d'été, carnaval, il n'y a rien d'autre. Hey, James Legras, comment ça va? Un délirium, James. Ça fait longtemps? Enfin, la dernière fois, c'est plus la dernière fois. Bah, ça va bien. Ça, Animal Crossing. Quand même, ça rend bien. Partout, je trouve ça trop cool. Je vous dis, amis, si vous souhaitez me rejoindre, n'hésitez pas, je vous donne le dodo code. Oui, ça y est, je m'y suis mis aussi à Animal Crossing. Ah, c'est cool, tu veux rejoindre mon île? Salut James, partage James. Partage. Ouais, partage James, enfin, la technique qui te fait coucou. Tu fais coucou et puis tu dis James, partage. Allez au boulot James.
de pulvériser, il faut que je l'attrape. Vite. Vite. Mais comme par hasard, elle se barre à l'opposé. Eh, mais je vais la taper cette plume. Je suis au boulot. Ah bah personne ne sait rien. Bah c'est tout. Bah partage quand même. Tu vas pas au boulot tant que t'as pas partagé mon live. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Je rigole bien. C'est la pause. Putain. Donc là, comme je disais, James, cet après-midi, si je suis pas assez dispo, je fais un live à partir de 14h sur Fortnite. Mais pourquoi pas, c'est ma fille qui a son île et moi je suis un habitant. Ah bah il faut que ta fille elle nous rejoigne quand elle pourra bien sûr. Un habitant. Ouais en fait elle, bah, c'est l'île de sa fille et puis lui bah c'est un... En gros il a rejoint l'île de sa fille quoi. Il a fait une maison en plus sur l'île de sa pupille. On peut faire ça. Hein ? On peut faire ça. Bien sûr, toi si tu veux tu peux faire jouer sur ma partie. Avec la cartouche, avec ma cartouche, et tu peux avoir ta maison sur mon île. Ah ouais, d'accord. Ah, il faut que j'ai une sorte de Switch. Non, pas dispo cet après-midi. Bon, c'est pas grave, on essaiera de se caler un petit truc. Ça fera plus, ça fait longtemps quand même. Tu fais toujours des lives ou... enfin, peut-être pas en ce moment, t'as peut-être pas le temps. Je vais quand même garder une plume de chaque couleur parce qu'on peut les porter dans les cheveux. Ça, j'aime bien. Je suis devenue accro de ce jeu. Non, mais carrément, de toute façon, tout le monde devient accro, c'est normal. Essayer, c'est l'adopter, c'est normal. Oui, mais pas. Non, mais Technitech, il dit non, pas moi, mais il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Quand tu tombes dans Animal Crossing, tu tombes amoureux. Animal Crossing, parce que tu peux tout faire comme tu veux, ça, c'est même plus par rapport à 3DS. 3DS, c'était complètement différent, t'étais le maire, mais tu pouvais juste installer des infras, des structures, c'était tout. Là, tu peux tout changer, tu peux vraiment faire ce que tu veux dans Animal Crossing. C'est normal. C'est normal si tu es accro, c'est normal. C'est pas normal. Pas le temps. Pas le temps, voilà, c'est ça. Mais t'aurais le temps, tu verrais. Tu seras accro toi aussi. Oh, j'ai attrapé une bulle. Moi, je veux pas de ça, moi. Moi, j'ai des plumes. Oui, je stream le midi Among Us avec mon portable. Je suis le stream. Et puis je stream. D'accord. Ah, bah, c'est bien. Bon, je t'avoue que Among Us, faut que je m'y mette parce que j'ai joué avec des amis une fois et puis bah je passais apparemment à côté de Corb, je ne le voyais même pas, donc je sais pas trop. Au moins j'ai fait rire à la galerie, c'est bien. Mais ouais, faudrait que j'apprenne parce que c'est vrai que j'y ai pas beaucoup joué. Du coup je ne connais pas trop le jeu. En tout cas, c'est gentil d'être passé sur le live, ça fait plaisir. Attends, tu veux, ça fait un moment qu'on n'avait pas parlé comme ça. Il y a des plumes partout. Bon,
je peux faire là les plumériser. Hein. Je pense que je vais pouvoir aller à... établi pour construire des plumes et donner un Roberto. Et j'ai rencontré de belles personnes. Ça marche. Oui, ça marche bien le stream. Ouais, oui, oui, on s'y est mis il n'y a pas longtemps sur Twitch et franchement, c'est vrai que c'est complètement différent. C'est sûr que c'est pas la même chose que YouTube. Hein. Et j'ai rencontré de belles personnes, ça fait plaisir, c'est cool. Tant mieux pour toi. Ça fait un moment que j'ai pas fait de face-to-face MMDR. Ah bah aussi avec la... Avec la crise sanitaire, ça permet pas tellement de faire des face-to-face. Hein. Là, on parle de GTA. Ah, GTA ! Je croyais qu'il parlait de face-to-face à un rendez-vous galant. Je sais pas du tout. Ah ouais, bah oui, bah... De toute façon, Technitech, il attendait toujours avec son insurgent dans le garage, hein, t'inquiète pas. Là, il a refait la peinture, le vernis, c'est bon, elle est propre. Elle est prête à t'écraser. Elle a déjà plein de sang dessus. Elle a déjà plein de sang dessus. Oh, c'est pour faire jouer. Elle est cassée. C'est faire... Ah, elle est cassée ? Non. Là, faut la construire. J'ai fait là les plumes. Bon, en gros, t'es qui t'attend pour un face-to-face. Voilà, avec son insurgent. Mais lol. Essaye de se caler ça, bah ouais, carrément, avec plaisir. Ça va longtemps qu'on n'a pas fait un live. Ouais, un rasso, ouais. Ouais, carrément. Après, faut trouver les gens, hein, c'est ça. Hein. Après, si toi t'as les gens qu'on puisse faire un rasso tous ensemble, ça serait cool. Hein. Allez, je vous laisse, bon courage, ça marche, bah, bon courage à toi, hein, James, et puis à bientôt. Quand tu veux. C'est une taquille qui s'allume. Ah, ok, ça marche. C'est pas grave. Ah, d'accord, en gros, là, il faut que je lui donne un. Il faut que je lui donne un. 3 plumes, et Roberto t'offrira le grand prix spécial de carnaval. Oh, bah, carrément, bah, moi, je vais lui donner. Hein. J'en ai 3, j'en ai une plume, même plus que ça. Ouais. Il y a des hanches qui frétillent. Non mais bon, un peu de tenue quand même. Élimination max. Allez, c'est parti. Oh, il y a plein de plumes. Qu'est-ce qu'il va me donner ? Ah, ça y est, il est crevé. Donc, que tu as fourni à Roberto lui ont inspiré la plus belle danse de sa vie. Ah bah dis donc. Je suis contente pour toi. Tu as bien mérité la plus exclusive des récompenses de... Roberto te remet le char de carnaval. Oh ! Un char ? Il n'est pas aussi magnifique que Roberto, mais il incarne l'essence de carnaval. Vive le carnaval ! Ah mais Roberto veut encore plus de plumes, c'est la mission sacrée de Roberto. Mais d'abord, Roberto va danser. Danse avec lui. Danse. Et apporte encore plus de plumes à Roberto si tu veux encore plus de cadeaux de Roberto.
Un char, bah dis donc. C'est pas foutu de moi. Allez, on va essayer de le placer, voir un peu. Ah ouais, il y a de la place, là, nickel. Ah non, ça c'est le stand. Il n'y a pas assez de place. Bon, il est, à mon avis, c'est un truc énorme. Dégage. Ben non, ouais. Oh, il bouge. Oh, c'est énorme. Excellent. Il bouge. Ah, c'est sympa, ouais. C'est le truc de l'événement, je pense. Donc, je pense que l'événement en soi, j'ai pris tous les objets de l'event. Ça, c'est cool. Ah, c'est super sympa le char. C'est immense le truc. Je sais pas ce qu'il va me donner. Je pense qu'il va me donner les mêmes choses. Sur le carnaval, mais en fait, il me redonne les mêmes choses. C'est tout, au moins à ce moment-là, je vais le faire. Et ceux qui voudront, ceux qui en voudront, à ce moment-là, je leur donnerai. Je vais faire ça. Je vais le mettre sur le côté. Donc pareil, pour ceux qui viennent de rejoindre le live, il y a un dodo code si vous souhaitez rejoindre mon île. Donc le dodo code, c'est 55 D comme Delphine, 23. 55 D 23. Ça serait sympa qu'il y ait une personne qui me rejoigne quand même avant que je mette fin au live. Ce serait cool quand même. En plus, j'ai mis des affaires là que je n'ai plus. Et dedans, du coup, il y a le parasol de carnaval. Je peux vous en donner d'autres. De toute façon, j'ai plein de plumérisés. Je pense que je vais en garder une quand même pour mettre dans mes cheveux. Regardez, c'est super mignon. Oh, j'adore. Donc voilà. Ceux qui veulent nous rejoindre, venez. C'est bon, je travaille.
Voilà, donc si vous voulez rejoindre mon île, si vous voulez, là j'ai un tambour et donc un parasol de carnaval à vous donner quoi. Je les pose là juste à l'entrée de mon île et ceux qui veulent me rejoindre, n'hésitez pas. Le dodo code 55D23, logiquement, oui, c'est ça. 55D23, vous rentrez ça, vous me rejoignez mon île et du coup j'ai des trucs à vous donner. N'hésitez pas à rejoindre mon île si vous voulez des trucs carnaval. Ah, Marina, elle a bien la piste de danse. Hein. On est encore ensemble jusqu'à 11h30. Je mettrai fin. Et donc on reprend à 14h pour un live sur Fortnite. Encore un cadeau. Encore les clochettes. Oui, ça, j'ai mis le porte-monnaie. Je suis trop riche. Je pense que je vais en placer, tiens, la banque. Oh, 7-0. Si vous voulez nous rejoindre, 55D23. Si vous voulez rejoindre mon île, profitez-en. Mon île est ouverte à tous.
casser. Ah, t'en as intérêt à avoir des réserves hein, pour cet événement. Punaise, de... t'as intérêt à avoir ta réserve de filet, hein, parce que punaise. Oh. Oh, qui sont beaux. Tom Nook avec son, son truc à plume rose. Oh, j'adore. J'aurais dû échanger, hein, franchement. Au moins que ce soit Marie qui porte la culotte. Ah, qu'est-ce qu'on se bat. Alors, ah oui, il fallait que je... Ah oui, c'est vrai, je peux encore que je rembourse des trucs. Des trucs. Je vais faire un dépôt de thunes. Alors, je vais déposer 50. Hop. Je possède des thunes. Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas, non. Du coup, j'ai encore plus de filet, c'est la lumière. Je reparte chez moi. Parce que je prends ce qui reste chez moi, là, c'est tout. Allez, je vais en prendre ce qui me reste. Enfin, je vais avoir utilisé tous mes filets que j'ai laissés en réserve. Oh, j'hallucine. C'est parti le code de dingue. Jolie la petite robe avec toutes les petites paillettes. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a une tenue pour les femmes, donc la robe, et une tenue pour les hommes, chemise, pantalon. C'est sympa. Je pense vraiment à tout, c'est cool. On est obligé, moi j'ai mis ma couleur de cheveux, mais il a calqué la chemise. Il me lance des confettis. Tiens, dans ta tronche. Moi j'aime bien cette ce serait pas pareil hein, si les habitants ils se mettaient pas dans le jeu ou à danser. Ça change, hein, ça met toute une ambiance, c'est cool. Viva! J'ai les mêmes couleurs que Marina.
des émotes comme ça, j'en ai énormément. Même ce que j'ai. Enfin, j'ai cette partie-là. Ah, j'ai débloqué tout ça. Ça, vous les débloquez en parlant avec vos habitants. Là, c'était les trucs Halloween. Envoûtement, épouvante. Il y a eu des mises à jour. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'événement. Hein. Encore trop court, mais bon, ce qui est sympa, c'est les objets qu'on peut récupérer. Hein. Il y en a vraiment pas tous les goûts. Bon, bah, écoutez les amis, je pense que je vais mettre fin au live. Je vais faire une petite pause. Et comme je vous ai dit, on se retrouve à 14h pour un live sur Fortnite. Donc on va mettre fin. On remettra fin après. Donc Fortnite, hein, pour ceux qui me rejoignent, vont rejoindre sur Fortnite cet après-midi à 14h. Je vais surtout faire avancer dans mes défis, parce que ça fait des jours et des jours que j'ai quand même plus des semaines que j'y ai pas joué. Donc du coup je suis très en retard dans le pass de combat. Voilà, donc il faut que j'avance. Ceux qui voudront venir m'aider, c'est avec grand plaisir que je les ajouterai. Et ils viendront donc jouer avec moi. Donc voilà, c'est à 14h, toujours sur la même chaîne. Donc ne bougez pas, ce sera tout à l'heure. Écoutez, je vous remercie pour les personnes qui sont passées sur le live et donc qui ont regardé. Ça aurait été cool que quelqu'un vienne sur l'île, mais bon, c'est le début. Donc je referai certainement des lives sur Animal Crossing hein, très bientôt. Restez informés. En attendant, je vous dis à tout à l'heure, à 14h, sur Fortnite. Bisous les loulous, bon appétit !